Avance vers la surface, le tir. Il va y aller. Et l'arrêt du gardien. Le centre, attention. Le bloc. La barre, mais ça rentre quand même. L'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. Les joueurs sont revenus sur la pelouse. Voilà la seconde période de ce match d'Euroleague. Et ça va pouvoir reprendre tranquillement. Verratti. Pas vraiment de quoi inquiéter le gardien. Ça passe largement à côté du cadre. Diomande. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Le PSG va jouer cette touche. Marco Verratti. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Ouais, bon bah oubliez ce que je viens de dire. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, le bon centre là. Manolo Gabbiadini. Oh oui, ça rentre. Bon travail collectif avec un clé 70 qu'il est à la perfection. Finition remarquable. Ouais, ça fait deux pour lui. Un doublé pour ce joueur. Substitution 3-0, ils prennent le large. Les premières flèches, il récupère ce ballon dans l'entrejeu. Marco Verratti. Choisit la frappe. Il a bien failli corser l'addition sur ce coup. On va avoir du changement dans ce match. Ouais, remplacement imminent au prochain arrêt de jeu, je pense. Peut-être une bonne opportunité, attention. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Ouais, il a dribblé, magnifique. Il va pouvoir centrer. Ismaël Diomande. Ouais, l'arrêt du gardien, prise de balle parfaite. Ah, le mauvais contrôle qui ne pardonne pas. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Ah, dommage, c'était une belle opportunité, mais le drapeau s'est levé. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Et le jeu qui se poursuit. Il y a avantage, c'est bien arbitré. Le Benfica à l'attaque. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur hein, qui a pris le dessus. Josh-Kevin Kounou. C'est le face-à-face avec le gardien. Il prend sa chance. Et il marque. Ah bah, il vient à peine d'entrer en jeu. Et sur un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense. Et il a laissé au coup de chance au gardien. Belle action individuelle.
4-0, rencontre à sens unique. On s'attendait à un match facile pour eux. Eh bien, c'est confirmé. Oui, il n'y avait pas photo sur le papier, il n'y a pas photo sur le terrain. Bonne récupération de Krikoviak. Ils attendent une ouverture dans la défense. Attention! Non, sans problème pour le gardien. Et le gardien qui est battu! Ouais, le geste du buteur est beau, mais il faut quand même souligner la qualité de la passe. Un but que l'on revoit sur ces images. Le gardien qui est un petit peu malheureux sur cette action. La première parade n'a pas suffi. Et derrière, le buteur est idéalement placé pour la mettre au fond. Le score qui est à présent de 5-0. 5-0, un score qui illustre bien le déséquilibre de la partie. Carillo. Un bon ballon d'attaque. Magnifique. Attention à la frappe. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Hein. Le jeu, c'était pas là. Krikoviak. Et ce ballon qui est perdu. Carillo. Allez, dans le couloir. Ils construisent patiemment, hein. Ils attendent l'ouverture. Ouais, la frappe. Et le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Attention, tirage de Bayeux dans la surface. Il met la tête. Ouais, bon arrêt tranquille sur cette tête. Oh, superbe contrôle, il peut enchaîner. Le ballon est perdu pour tout le monde là. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Demandé. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ouais, bien joué, parfait ce tacle. C'est une touche à venir. Joël Wettmann. Il tacle, il choisit la frappe. Ouais, très propre le tacle pour mettre le ballon en corner. Ismaël Diomandé. On s'approche du but. Et la voilà la frappe. Ballon bien négocié par le gardien. Est-ce qu'ils vont le jouer à deux le corner? Une stat intéressante sur les corners à l'écran. Ouais, directement dans les mains du gardien. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Alors que 4 minutes ont été ajoutées au temps réglementaire. La faute du joueur de Benfica, c'est un coup franc. Raúl Jiménez. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Cette attaque qui avorte finalement. Demander.